Invitée sur le plateau de Quotidien le jeudi 3 octobre, Camélia Jordana a tenu des propos inattendus sur son jeu de femme combattante dans le film Sœur d'armes. Sur la toile, les internautes montent au créneau. C'est une Camélia Jordana enthousiaste mais un poil maladroite qui s'est rendue sur le plateau de Quotidien. Le jeudi 3 octobre, la chanteuse et comédienne de 27 ans était reçue par Yann Barthès pour la promotion de Sœur d'armes, aux côtés de Caroline Fourret. Dans ce film diffusé en salle dès le mercredi 9 octobre prochain, la vedette incarne Kenza, une Française qui intègre une brigade internationale pour se battre aux côtés des forces kurdes. Interrogée par le présentateur de TMC sur son jeu d'actrice dans ce long métrage inspiré de faits réels, la césarisée pour son rôle dans Le Brio a tenu des propos pour le moins inattendus. C'est tellement cool. C'est un bonheur, c'est trop bien. J'ai jamais joué à la guerre, je suis une fille, je suis née en 92. C'est trop génial et c'était complètement fou. Il y avait une espèce de kiff ultime, c'est trop bien, on se cache et tout, c'est trop rigolo, a-t-elle lancé, un large sourire aux lèvres, avant que le journaliste ne rebondisse ainsi, sauf que ce sont des vraies histoires. Ça ne s'improvise pas de tourner ça. L'interprète de moi s'en est toutefois tenu à ce discours. Les internautes grincent des dents point face à ces mots, plusieurs internautes visiblement en colère, sont montés au créneau. Sur la toile, les tweetos n'y sont pas allés de main morte pour réagir à l'interview de la jeune femme, Camélia Jordana « J'ai jamais joué à la guerre ». Pauvre petite fille de riche, insupportable. S'insurge l'un d'entre eux tandis qu'une autre s'emporte également, putain mais vous êtes gênantes les deux. Sujet sérieux quoi. Caroline Fourret vante les djihadistes avec leur bagnole suicide. L'autre Camélia Jordana qui ricane. J'irai pas voir votre film. C'est le malaise. Sur le réseau social, les messages se sont enchaînés, elle est gênante Camélia Jordana. Elle trouve ça amusant de jouer à la guerre dans un film de guerre basé sur des faits réels, c'est tellement cool de jouer à la guerre Camélia Jordana se rend-elle compte de ses propos? C'est moi ou c'est top gênante avec Camélia Jordana, entre le coupage de parole, le j'adore la guerre. Atri un peu sérieux, c'est une histoire vraie, ton euphorie me gêne tellement, lit-on notamment. Alors, Camélia Jordana reviendra-t-elle sur ses déclarations? Affaire à suivre.